souhaite une bonne et heureuse année 2024 à tous nos concitoyens. Que cette année 2024 soit meilleure que 2023. Et je m'adresse plus particulièrement à notre président de la République. Je lui souhaite d'être inspiré cette année par la grâce de Dieu pour qu'il soit toujours au service de notre nation et qu'il profite de cette année 2024 qui est notre année électorale pour rassembler encore tous les Togolais dans un creuset d'amour et de justice et de paix comme il l'a toujours fait. Au gouvernement, tous mes vœux et que cette année soit une année de propulsion exceptionnelle par rapport à l'économie de nos pays. Je pense à tous ceux qui ont eu une année 2023 difficile, notamment nos commerçantes du marché d'Agué-Assié qui ont connu un drame. Je leur souhaite la paix du cœur et que le Seigneur les aide à renaître de leurs cendres comme le phénix. Et aux femmes du mouvement des femmes pour unir, une année prospère, une année de grâce et de prospérité. Je souhaite une bonne et heureuse année 2024 au chef de l'État, Son Excellence Faure Essossine Agnassingbé, au Premier ministre, Madame Dogbé, au gouvernement, à la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Tchega, à tout le peuple togolais. Que cette année 2024 soit une année de prospérité, de paix et surtout la santé. Peace and love au Togolais. Je souhaite une bonne et heureuse année 2024 au chef de l'État, son excellence, Faure Essossine Agnassingbé, au gouvernement, à la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Tchega, à tout le peuple togolais. Que cette année 2024 soit une année de prospérité, de paix et surtout la santé. Peace and love au Togolais. Mais, 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 mais